bon bonjour et bonsoir pour nous tous. Bienvenue sur TV La Caille et nous commencions pour tous fanatiques, amis, abonnés, compatriotes, quel que soit côté bien dans le monde. Et c'est toujours avec même plaisir, même détermination, même honneur, espère, nous entrer la caille chaque jour, bon Dieu, mettez pour nous venir informer. Tout détail, restez connectés sur vidéo jusqu'à la fin. Pas oublier ou sur TV La Caille. Pour si là qui peut vous abonner avec nous, pas hésiter à faire ça pendant même vous regardez la vidéo, de façon pour aider nous et la communauté TV La Caille et comme ça ou même tout, vous avez toujours été informé. Comment ça va? En forme, ça va dans le bien. En tout cas, tout le pays en parle. Et dernière intervention sur la question donc, du référendum, il fait tache d'huile donc, dans les médias, sur les réseaux sociaux. Et ou clair ou quoi fermement, pas de moyen pour que le référendum le 27 juin? Écoutez, la position que moi, position que m'exprime, c'est la position du sénateur Lambert, c'est la position du citoyen Lambert, et comme politicien, position moi, il n'est pas capable d'évoluer. Mais ce n'est pas la position du président du Sénat, non? Non, pour que ce président Sénat qui t'a proposition ça, pour qu'on ait un mandat, une résolution c'est qui pour, a adopté. C'est pourquoi j'ai posé la question. Parce que là, on t'a pas obligé de parler au nom de tous les sénateurs. Donc, tous les sénateurs, ça veut dire que c'est un. Et c'est pas comme du tout, très certainement, pour tous les sénateurs, pour qu'ils en bougent. Pour les sénateurs, et je vais essayer de convoquer une séance. Mardi, avec tous les sénateurs, pour que au moins nous soyons capables d'arrêter la position du Sénat de la République. D'être chargé. Et dont Joseph Lambert a pu nous servir le porte-parole de l'Assemblée des sénateurs. Très bien. Mais moi, pour une précaution, pour faire convocation. Alors, permettez-moi de vous dire que l'UE que vous prenez pile précaution. Pour faire convocation. Et précaution, non. Bon, il faut convoquer les sénateurs. Parce que c'est au moins comme président Sénat, il y a qui a autorité de convocation. Bien. Alors, si j'ai autorité de convocation, je peux convoquer les sénateurs à n'importe quel moment de la durée pour une débat sur un sujet d'actualité. Et le sujet d'actualité maintenant, c'est pas l'autre bagaille que la question du référendum. La question des élections, la question de l'insécurité, qui pour moi-même, ce sont des éléments fondamentaux sur lesquels l'Assemblée des sénateurs doit lui-même prononcer. La question aussi du Sénat, l'existence du Sénat en tant que corps, un Sénat qui vieux de quelques 207 ans, 208 ans, et puis qui, dans un projet de constitution particulier, tout par la sécurité, c'est même des problèmes avec comportement XYZ sénateur. Très bien. Si on vous demande XYZ sénateur, et que comportement ça n'a pas qu'à réprimer, c'est parce que nous avons assez mal pénal et qui n'est pas suffisamment costaud qui peut permettre qu'on prenne telle mesure que les droits. Et par conséquent, donc, il faut tirer les leçons de ça qui passait dans un projet de constitution, eh bien, il faut prévoir, on mettait tout en permettre un sénateur de la République de un comportement donné, sous peine de sanction 1, sous peine de radiation 2, pour que la majorité, la décision de la majorité, qui est un régime démocratique, capable de toujours prévaloir sous une position minoritaire. La question, ça c'est le premier aspect question. Deuxième aspect question. Moi, je n'ai même pas parlé de sénateur, ceci, sénateur, cela. Bon, ma commis, j'ai cité un nom, ma cité Stanley. Ma dit Stanley, je ne suis pas d'accord en train avec lui. Tout comme lui, je suis favorable à un amendement ou bien au changement de la Constitution. Ça, nous sommes d'accord là-dessus. C'est du pareil même. Mais je suis tout à fait d'accord. Parce que nous croyons qu'à chaque fois, même lorsqu'on a ce mal en place, à chaque fois, il faut qu'on nous ajuste. Regardez là, aux États-Unis, après ça passe ici et là, on voit que le président et l'exécutif américain
soumettre à l'appréciation du Parlement, eh bien, on loi qui est capable de réguler le comportement policier. Son loi qui est votée dans la Chambre des députés, dans la Chambre des représentants, mais qui peut passer dans le niveau du Sénat républicain. Le problème qu'il faut poser aujourd'hui, il est plus un problème institutionnel. Il suffit de définir les prérogatives propres à chaque entité chariot, si ça Sénat a gagné comme prérogative dans la nouvelle constitution, si ça Chambre des députés a gagné comme prérogative dans la nouvelle constitution, et si ça va permettre aux députés de la latitude lui-même pour faire, en façon pour ne pas embrayer le pays à sous bac lorsque il y a des décisions importantes qui peuvent aller dans le sens de l'intérêt national. Là encore, il n'y a pas de problème avec ça. Mais par contre, la forme pour moi-même, ils sont des gars qui sont importants. Dans le fond, en fait, on est tous d'accord, mais c'est la forme. Hein? C'est la forme. Pourquoi, le coup? Lorsque vous gagnez, d'abord, une constitution qui vire en article 244.3 et que les gens pour amender. Ça m'a fait là qu'on vous dit, mais maintenant, agit au public là pour bien comprendre. Et c'est ça, donc, m'a tout profité de faire le son à certains mecs qui ont défendu ça. Si vous voulez ça, mais qui j'ai pour toucher, mais qui j'ai pour changer, mais qui j'ai pour amender. Mais les mecs qui allaient courir là dans la housse, le comportement intellectuel, et puis ils diront ça, eh bien, amender, pas même bagarre avec changer. Hein? Vous pouvez aller sur Google, Kounia, pour tout le monde, parce que vous avez un Android dans moi, aller sur Google. Qui est le synonyme changer? Qui est le synonyme amender? Parce que vous avez un pile, c'est amorphose, travesti, modifié, échange, etc. C'est du pareil au même. Par contre, constitution, mais lorsque Kounia là, il n'y a pas un mécanisme qui est en place, en l'absence d'un parlement, qui est capable de faire la constitution 87 la demande, eh bien, ou gagner une formule politique qu'on a utilisée, qui a baillé mesure qu'on a pris suffisamment de légitimité et de légitimité à travers, bien sûr, un accord politique. Un accord politique qui mettait au date, qui dit, et que nous sommes d'accord pour un changement de régime politique. Nous sommes d'accord pour que la constitution soit modifier, changer, altérer, métamorphoser et autres, etc. Nous sommes d'accord pour que nous mettions le sujet en débat. Ou bien le capable de dire, là, attention, à nous questionner le peuple là pour nous dire comme ça, en plus de l'accord politique là, pour nous dire le peuple là, est-ce qu'elle est d'accord avec un changement de constitution? Si nous dit oui, eh bien, le projet de constitution comme tel, eh bien, il doit le faire route, oui, n'a pas soumettre à qui de droit pour que dans le moment qu'il faut, eh bien, nous prononçons sur lui. Mais lorsque vous n'y allez ouvrir son passage en force, avec cinq mondes qui, comme des cas de trier sur le tas, et pour dire comme ça, bon, mais poser qu'il y a un projet de société, un nouveau projet social. Eh bien, quoi dans l'ensemble du monde qui dit, mon cher, maintenant, rébellion comme ça. Et surtout que le Sénat, en tant que tel, n'a jamais été une fois consulté. Le Sénat n'a jamais été consulté. Eh bien, lorsque le Sénat a consulté, eh bien, là, il pose des problèmes, parce que nous sommes 11 élus légitimes au niveau national. Okay. Il n'y a pas que le président de la République. Le président de la République, là, il fait tout le temps consultation. Oui, mais Sénateur Lambert, et lors de votre dernière rencontre avec le président, et est-ce que pas de garantie pour te, en fait, permettre que le sénateur ait un droit de regard sur l'action qu'il a posée? Il s'est posé tout le problème par le président. Il s'est dit tout ça, net. Il y a des bagages qui sont au président. On va descendre le petit là-haut. Parce que nous sommes des petits institutionnels. Il dit que les bagages qu'on dit avec le président, eh bien, pas mon réseau pour se mettre là-haut. C'est-à-dire que c'est une façon d'un homme d'État. Mais, en toute honnêteté, tout samedi dans la radio que je ne suis pas d'accord ensemble avec toi. Vous dites en face. Président, il te dit tout. Donc vous acceptez le référendum, non? Mais moi, un an que le président pas retiré le Sénat de la République là, dans la question nouvelle constitution. Autant de questions, Isaïe.
Bon, c'est tout à fait légitime. Ah. Parce que nous n'avons pas caché pour institution. Avec un mandat, une institution qui vient de plus de 206 ans et puis, l'opinion est qu'on y a là, son saut d'humeur et pour dire comme ça, et que on va changer la constitution en tant qu'aux hommes qui ont été mis en sondage, et puis 99% nous dit au Banan Sénat. Où est-ce que nous défendons ici? Nous défendons pour ça, et point de vue ça, donc ici. Non, pas que même. Il y a des gens qui sont frères, d'ailleurs, tous les trois, les gens qui sont équipés là, nous tous les quatre. C'était toi, mon allé, pour un moment qui t'a fait débat. C'est ça. Moi, nous, tous les trois, j'ai dit, mais fais attention, hein. Non, c'est pas pour parler, c'est des gens pour Dieu, pas fait du tout. Parce que sur Internet, ou quand même, on a 12 ans. Oui. Il n'y a pas que ça. Il y a le Sénat en tant qu'institution. Ça, c'est un. Il y a aussi la manière de faire. Eh bien. Mais on est d'accord avec le sénateur Lambert, nous ne doit pas obliger qu'il y ait trois sénateurs tout par département. Mais comment au moins, dans le pays, côté où on dit qu'on a des difficultés économiques, et qu'on peut essayer de dégraisser. Ouais. On peut dégraisser. On peut même avoir 11 sénateurs, 10 par département, un pour la diaspora, 21 sénateurs, 2 par département, un pour la diaspora, pour dégraisser. Très bien. On peut aussi prendre d'autres dispositions pour que les sénateurs, si bien les clés méchites à la terre ou pas de travail, et bien c'est votre présent en séance que vous payez ou. Très bien. Ça veut dire que le nombre de députés que nous avons là, nous n'avons pas autant de députés. C'est ça. Autant de députés. Très bien. Ça veut dire que, mais dit que on est nous avons des députés maires tout. Nous, là, en plus, nous avons des députés maires pour gagner le même salaire là. C'est ça. Nous, comme on n'a pas besoin d'avoir trois casettes. C'est ça. Avec nous, on doit gagner un seul maire, un seul cadre qui va nous déconseiller. Très bien. Avec lui, que tout l'ensemble de la gagne. Qu'est-ce qu'elle nous dit? La proposition de Tardy, son opposition et travail Tardy à son travail est intéressant, un travail exceptionnel. Et d'ailleurs, c'est Tardy, il faut la bien te reconnaître, c'est la Chambre des députés, sur la roulette de Tardy comme président de la commission, qui fait plus gros débat et qui rencontre le plus de monde possible pour défendre une question diaspora. Et en la constitution. Faut que nous lancions ce travail, monsieur, les amis. C'est bien. Pas qu'à prendre, comme toi, travail ça, son travail pour nous aller dans la poubelle. Donc, en fait, je dis. Pas de Dieu, madame. Ça, c'est mon premier aspect question. Le deuxième aspect question, on me dédie pour la forme. Écoutez, vous parlez du Parlement qui, dans le fonctionnement normal, c'est pour faire amendement constitution. Pour bail à quoi poser la légitimité, côté gouvernement, c'est à chercher, à la légitimité à un, dans l'accord politique, et deux, soumettre le Parlement, le Sénat, ou bien Sénat, pour avis, ou pas demander le prononcer, non, pour bail ou avis. Et là, ça qu'il y a là, ou bali, ou en tête de légitimité, personne, et puis en plus, la commission. Commission, toi, fermé. Donc, travail commission, c'est pour planer, pour nous venir à l'autre secteur, pour faire représentants, comme des cadres au bas, représentants droit monde, et autres, etc., impliquer la donne, pour que les capables plus inclusifs que possible. Moi-même, ma suggestion personnelle, ça, c'est un point de vue personnel. Point de vue personnel, moi, je crois que, un, le président a tout intérêt à traîner, camper sous question référendum momentanément. Deux, cherchons un accord politique. Très bien. Alors, c'est là que je devais arriver avec vous. Sénateur Lambert. Là, il est clair que tous les signaux presque montrent que le référendum n'est capable de reporter. Alors, avant que vous nous te parlez avant, intervention par nom de dire que le sénateur Joseph Lambert n'a pas sorti comme ça pour une position aussi ferme. Sous question référendum. On déparlait tout, en fait, de l'ancien candidat à la présidence, Éric Jean-Baptiste du parti RDNP. L'IPAP sorti comme ça pour une proposition ferme sous question référendum. Ainsi que l'intervention de Guichard Doré ce matin, il était clair ouais, que il commençait à biaiser ces questions, qui qu'à fort comprendre que nous capables d'un report donc, du référendum. Maintenant, si le référendum n'a reporté, l'éclair, c'est sûr, en fait,
un échec pour le président Jovenel Moïse, politiquement. Bon, tout d'accord. Bon, ça m'a dit la gueule. Ou en politique, politique là, son bagage qui est dynamique. Pas jamais un échec véritablement en politique. Vous faites pour transformer toute défaite, comprends? Pour transformer les en victoire. Non, sans vous donner. Oui, mais on connaît l'opposition, on va pas le quitter comme ça tout. Parce que Babli est. Non, écoutez. C'est politique à fait. Il n'y a pas qu'à un échec pour le président. Le président se montrerait pragmatique et intelligent dans un contexte de bouleversement général. Ok. Je vais vous dire, un report du référendum permet que moi-même, personnellement, comme Joseph Lambert, comme coordonnateur parti politique Kouna, moi-même, comme collègue sénateur, nous t'avons encouragé tout sénateur. Même si le président fait un report, si le président fait un report, et puis par la même occasion, je tout le monde vient à ce dialogue-là pour venir ouais, la meilleure formule pour retirer le pays à l'obéir. Parce que après Jovenel, après le président Jovenel, a toujours gagné pour le président. Et puis, la vie continue. Mais le pays a lié et nous-mêmes. Nous ne pouvons pas démolir à 100%. Et c'est ça que je dis, nous ne pouvons pas écarter aucune possibilité à n'importe quel moment de la durée pour rencontrer avec le président Jovenel et puis pour faire valoir en position donnée. Et si les sénateurs capables, tous les sénateurs sont capables de mêler de la partie, pour qu'au moins le Sénat est capable de position commune pour nous faire avec le président en commençant d'abord par une suspension ou bien un arrêt momentané. De processus de questions référendum, non, pour que nous allions chercher un accord politique là, un accord d'accord politique là, pour ouvrir une refonte du conseil électoral et ouvrir le conseil électoral là, selon le modèle 289 constitution haïtienne, non, et puis faire de telle sorte que ouvrir le CCIA, ou faire de l'autre monde travail là-dedans, bah un délai de 15 jours, bah de 10 jours, ou bien de 1 mois, etc. Et puis, lancer le processus électoral-là, mais le CEP doit être crédible, et les membres du CEP doivent pouvoir être, il faut qu'au moins assermentés. Mais il y a des gens qui cadrent, en fait, surtout du côté de l'opposition, et pas un moyen pour gagner encore politique avec Jovenel Moïse, c'est que lui déjà pralé d'échec en échec, lui n'a fait mandat. Donc, au contraire, plutôt nous presser, pousser, mettre le dehors pour le capable de quitter le pouvoir. Parce que y a encore politique pour d'aucuns, il n'y a pensé que c'est force sur le Bali. D'ailleurs, autant de discours à nous, mais il y a opposition. Pas grand force pour le président Jovenel, ni pas grand faiblesse, tout comme il dit. Nous croyons que c'est un pas vers le renforcement de la démocratie. Pour montrer au monde entier que Haïtiens sont capables de faire preuve de dépassement de soi. Haïtiens, lorsque ils ont carrément, ils sont capables de chiter ensemble, ils ont échangé, ils ont fixé position et joignent la formule consensuelle. Moi-même, peut-être c'est capable de qualité ou bien de forme. J'aime dire les choses, j'aime sentir et j'aime comprendre. Et si on va chercher menti dans la bouche, on ne peut pas dire menti dans la bouche, parce que Lambert, comme tu as dit, transparent. Ça que m'a dit, face à face, ou bien ça m'a dit dans la radio, m'a dit dans la radio, tant qu'on m'a dit face à face. En plus, ça que je dis là, c'est ça que m'a dit le président Jovenel depuis déjà 2 ans et pique. Pour m'a dit, Louko, m'a fait une vérité. Au départ du président du premier ministre Michel Lapin, j'avais personnellement proposé au président. Et même à bon nombre d'amis de l'opposition démocratique. J'ai dit, monsieur, il faut un accord politique. C'est tout le discours. Il faut un accord politique. Oui, ça c'est vrai. Et nous dit, moi, prêt pour m'offrir tête, moi, malgré mes 3 ans et demi mandat sénateur. Nous prêts pour m'offrir tête mais en holocauste. Pour nous battre pour président, ben moi on poste premier ministre pour 3 mois. Le temps que nous avons un accord politique là, et puis pour nous prendre pays, définitivement nous mettons sur chemin de stabilité. Moi je dis président, m'a demandé en retour. Je seul deux bagailles. Ma tout prend retraite définitivement. M'a demandé au pouvoir moins
décoration ordre national honneur et mérite date grand chevalier. Comment dire ça? Et deuxièmement, oui, et me dit mon position ça, et il peut témoigner, et me dit, président, comme il faut qu'on travaille quand même dans la ville, on va le faire du reste en République dominicaine, pour moi, avec mes prises que nous avons, qui nous décapons deux doctorats, okay. Et sur cette base, m'a demandé au pouvoir, mais non, poste. Non pas un poste de responsabilité, non, ni ambassadeur, ni consul, non, okay. Mais un poste en République dominicaine pour nous capables au moins aller faire deux doctorats pour nous faire du reste. Okay. Moi, je dis, c'est ta contribution personnellement à payer à perdre 3 ans et demi de mandat de sénateur pour un poste de sénateur, pour un poste de premier ministre qui allait de 3 mois à 3 mois, okay. Juste pour nous capables de faire un accord là, parce que j'avais presque, j'étais à 2 pas de trouver l'accord sans souhaiter par le peuple haïtien. Mmh. Mais tu vois, il ne faut jamais désespérer dans la vie. Aujourd'hui, je ne pourrai jamais être le premier ministre du président Jovenel. Je ne le serai pas non plus. Mmh. Je ne veux pas être aussi son ministre, quelles que soient les conditions. Mais je veux être une personnalité politique qui dit parole là. J'en dois dire. Et qu'a toujours lui-même cherché compromis avec consensus sur tout ça possible. Eh mais si qu'on y a là, c'est pas ça y en force qu'on voulait faire, là, ça qu'on y a, on a dit, ah, président, on a montré tout le monde, que nous avons graines dans l'air, eh bien, mon cher, on a montré le tout, que nous avons graines dans le monde de tout, excusez-moi l'expression, et on a montré que nous avons graines dans le monde de tout, et que nous avons fait pas carrière, à bien de pouvoir, comme dans des ministres Gonzague. Donc, il me dit ça, maintenant, bien sûr, je me fais une personne qui a fait derrière. Et puis, il dit, je vais passer code pour m'arrêter, ni sénateur, ni d'autres monde qui pensaient que j'ai fait passe carré dans le niveau référendum. Et moi, en guise de réponse, je dis, un, et Gonzague est un ministre. Ok. Deux, Gonzague est un ami. Et toi, je suis le sénateur. et quatre, pour me conclure, et si Sergi était là, ma déclaration Gonzague là, c'est du pipi de chat. Et du pipi de chat. Merci Bill, c'est la tâche de première. Merci Bill. Merci beaucoup. Monsieur, vous croyez que 100 fois sur le métier, à nos métiers de la gaillot. Merci Bill. Vous croyez que c'est une nom qui dit hier et qui peut répéter encore après nous, après Boileau. Eh bien, je dis, il n'y a pas jamais trop tard. Il n'y a pas jamais trop tard pour joindre une formule consensuelle. Mais cependant, pas personne ne va gagner orgueil. Mais pour grand orgueil, on va battre l'estomac ou dire, bon, on va passer en force, on va faire ça. Ou bien on va même dire tout, ah, quelles que soient les conditions, on va faire ça carré ensemble avec vous, patati patata, etc. On ne va pas aller nulle part. Vous croyez que le président a tout intérêt pour continuer à faire preuve de ça. Hein? Moi, personnellement, je suis prêt à m'asseoir avec lui. Je suis prêt à inviter les sénateurs pour avoir une position et je vais toujours encourager l'opposition plurielle à rechercher cette formule, à trouver cette formule consensuelle et dans l'intérêt national. C'est ça seulement que nous sommes capables de dire. Merci, Bill. Sénateur Joseph Lambé. Merci, Bill. Merci, à la prochaine. Voilà, à la prochaine. Voilà, donc c'est le sénateur Joseph Lambert. Eh bien, bon, nous avons une position déjà.